Salut et bienvenue sur Fire Fit King. Je sais pas si. Oh, le son du. On doit baisser un peu ta cam. Je sais pas si la son du jeu, je crois pas. Bon, pour l'instant, j'ai pas de son de base, donc faut que tu lances une partie, je sais pas. Je pense que l'on sent du jeu. Je pense qu'on va cramer comme des grosses merdes. Après, go farming Ming. Ah bah non, c'est vrai, tu l'as pas. C'est con. Ah ah. Ouais. Je crois que non, t'as pas le son du jeu. Ah, ah si. Si, si, c'est bon. Ouais, mais je crois que le son de ta voix après il va être dégueulasse. Je pense que t'as un. Ouais, vas-y, je m'en. Y'a un doublon. Y'a un doublon au niveau de ma voix. Après, t'as pas justement le son de Discord qui est à part. Tu coupes le son qui vient de Discord et comme ça tu laisses juste celui du jeu avec la mienne. Ah, là c'est mieux, nickel. Là on n'entend plus un double. Bon, on est parti pour éteindre l'incendie d'un avion. Je vais couper ton retour parce que sinon moi j'ai le son en double aussi. À droite, puis à gauche, puis encore à droite. Non, c'est à droite. C'est à gauche, c'est à droite, droite, gauche, gauche. Ok, là, pas de temps. Tu sais, il y a une bande d'incendie au puits. T'inquiète, je vais tirer un câble à l'autre bout. Je sais plus comment on joue. Je vais tirer un tuyau à l'autre bout. Ah ouais. Ah putain, faut descendre un tuyau jusqu'en bas. Ouais. Toulou tout. Ouais,
On n'est pas dans la merde, non. Par contre, moi, j'ai pas les flammes, hein. J'ai juste de la fumée. Bah, moi, j'ai les flammes. Ah, moi, je vois que de la fumée, je vois pas de flammes. Donc, la synchro, génial. Hein. Allez, on déploie les tuyaux, on déploie. Le d'approvisionnement, je le branche. Par faire un petit tour. Hop, je on fais équipe. Je fais mon grand tour. Allez, on est parti pour faire 3 km de tuyau. Ah, il fait 3 km de tuyau, c'est vrai. Et je le branche. Voilà. À terre de l'eau, c'est bon. J'ai été la chercher super loin, mais j'ai de l'eau. On a sauvé des victimes. T'envoies le Gugus hein, pour sauver les victimes. Ouais. Je sais pas s'il a qu'une victime. Comment tu peux courir? Parce que j'ai pas mis l'embout. Ah oui. Il ira le chercher le trou de balle après. Après t'as une lance Bon après je lui ai piqué sa lance. Moi je pense quoi, t'as qu'une victime. Et après tous les incendies c'est la forêt. On a pas sur l'avion. Bah non, là pas de feu sur l'avion quoi. Mais ça prend sur les deux côtés. Moi j'ai les deux. C'est encore un feu, on va y passer 4 heures. Ouais. Passer l'autre côté. On va prendre ça en même temps. Ligne d'approvisionnement non connectée. Il y a Maurice qui a fait le con avec le tuyau là. Hop, ma lance. Contrôler vite fait si je vois pas de victime. Ah, après, ils sont éparpillés. Voilà. Ils sont juste éparpillés les victimes. J'arrose, Marais, j'arrose. Ma lance, elle est où? Je te l'ai volé. Non, les gars. Hop, allez, j'arrose là. Espérons que t'as deux victimes. Hop, demandez qui est pour un tuyau. Qui nous aide. Il a pas besoin de nous aider. On est des professionnels. Ah, ça c'est sûr, on est des professionnels. Ah, il est feu de Gironde, c'est nous qui les avons éteints. On est des pros du feu. On adore faire cramer des trucs. C'est ça. On est tellement professionnel que j'ai éteint tout mon feu, moi, quasiment. Il me reste plus que deux arbres. Les litres, les litres de flotte, je les compte pas. Ça, faut pas les compter, les litres. Et là, mon gars, tu pètes des scores.
Ah bah là c'est sûr. Ok, maintenant faut éteindre les feux. Là, j'ai juste le pilote et le copilote. Ah bah c'était le pilote et le copilote de mon avion. Ouais, pilote HS. Inquiète, vous inquiétez pas, c'est mon permis de pilotage. Flight Simulator. Je sais gérer toute situation. Bon, qu'est-ce qu'il fait mon Gugus là? Non, mon pompier là, il est parti. Non, ouais, tu dois être. Il se ramène avec un embout, je crois. Maintenant, il est avec une lance, non? Ça sert à rien. Je vais demander qu'il me crée une lance. Ouais, moi, j'ai ramené le tuyau, mais j'ai pas l'embout. Pourquoi il m'a. Ouais, quoi. Ouais, on peut créer que deux lances. Non, tu peux avoir jusqu'à 4 lances sur le camion. Et pourquoi ils peuvent pas, ils créent pas ces Gugus là? J'ai demandé d'aller créer. Non, la lance en... Moi j'ai tiré une lance, mais j'ai pas l'embout au bout. Juste qu'il ramène l'embout. Bah ouais, mais il est trop con. Quoi, lui il croit quoi, il a plus de lance à. Bah il a qu'à prendre un embout. Bah il a l'embout. Il est avec moi le mec, mais il a que l'embout. Mais non. Il a l'embout. Mais il va chercher une lance, mais il est débile. Parce que j'ai tiré le tuyau, il est à côté de l'avion le tuyau. Mais moi ça crame bien, mais au pire va me chercher un extincteur. Ah ouais, mais c'est pas utiliser extincteur aussi. C'est un trou du cul de service. C'est quoi ces pompiers? Qu'est-ce qu'il fout ici, mec? T'es pompier ou t'es pas pompier là? Le mec il sait même pas servir de ses affaires aussi. Tu lui demandes un ordre et il sait même pas utiliser un extincteur. Il est en train de se demander qu'est-ce que je fous là. Faut que je progresse comme ça. Comment j'ai fait pour atterrir dans cette brigade? Mon 2-10. Ça crame bien ici. Bah ouais, mon côté là ça crame bien. Oh, mon côté aussi, t'inquiète, ça crame. Moi là j'ai un bon morceau de forêt là. C'est un peu la cata. Va créer une lance et prends un embout et crée une lance. C'est pas bien compliqué. Ah. Il est parti chercher peut-être le tuyau. Tu vas me créer une lance toi aussi? Peut-être le verre il doit être intelligent. Le verre, con. Peut-être là c'est bon, il a dit il y a trop de feu, on va créer une lance. Il s'est dit tiens, et si je les aidais un peu? Il doit se dire, ils m'ont l'air de bons bougnoules ceux-là, je vais les aider un peu. C'est ça.
Bon, c'est bon, il a créé sa lance le mec ou pas? Voilà, j'aurais fini de l'éteindre le feu avant qu'il arrive. Ah, enfin, il a créé une lance et il est en train de m'aider. Parce qu'à la fin quoi, de l'incendie, quoi, il vient m'aider. Et même lui. Et bon, ils arrosent enfin. Enfin, ils ont compris créer une lance incendie. Tu veux un coup de main ou pas? Non, moi c'est bon, je gère. Je vais bientôt finir mon côté aussi là. Elle va être rapide cette mission. Pas si rapide que ça quand même. C'est bon, il ne reste plus que les bouts. Les bouts de sapin. L'autre côté est éteint. Il me reste un petit peu de mon côté, mais ça va, j'arrive à gérer pour l'instant. J'en ai déjà éteint une bonne grosse partie. Les météores dans la forêt, t'as des kilomètres de tuyaux, ils ont fait les mecs. Ouais, ils sont venus récupérer mon tuyau. Il était là mon tuyau, il est plus. Ils ont fait des kilomètres de mon côté de tuyaux. Mais ils sont tarés ces pompiers. J'espère que la compagnie aérienne, ils ont de quoi payer. Hein. Ouais. Parce que là, c'est pas un remboursement de ticket. Hein. Et le pire, c'est t'as que le pilote et le copilote. T'as même pas de passager. T'as. Je pensais qu'on allait avoir 5 ou 6 victimes. Non, même pas. T'as que 2 victimes.
Voilà. Et pour la fin, on arrose. On arrose. C'est la fête à la grenouille. Mon côté, c'est Bagdad. Je sais pas si on va voir. On voit un peu. Un peu. C'est beau ce que je fais. Ah si, on voit plus, un peu plus. Le kilomètre de tuyau qu'on a fait là. Et maintenant... 1500 litres quasiment. Ouais. Et maintenant, on va partir sur l'entrepôt. L'entrepôt qui est là. Là, ils aiment bien les entrepôts. C'est leur passion. La plupart des missions, c'est soit ils mettent une mission quoi, soit nouvelle. Bon. Et après, c'est une mission d'entrepôt. Allez, c'est parti. Mais 2 km et 2 maïs. Oula. On va déjà être arrivé là. Comment ça se fait qu'on n'est pas encore arrivé là? Bah là, les bouchons un peu. Non, bah t'aurais vu là les bouchons qu'il y a eu sur Paris aujourd'hui, c'est abusé. J'ai mis 3h30 pour faire 50 km aujourd'hui. T'as 3h30, putain, mais tu pètes un câble. Ouais, je te jure. Ça avançait pas. Il y avait énormément de monde sur la route aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Même après, en rentrant au dépôt. On me demande d'aller chercher une palette de béton à point P. Normalement, le point P qui est à côté de notre dépôt, il y a jamais personne, il est vide. Là, j'y vais, il y a 15 000 personnes. Le parking est plein, il y a plein de voitures, de camions partout. C'est une blague. Ah, moi, c'est pareil, moi, c'est pareil, quoi. J'avais le dernier coup, j'avais acheté un truc à point P. Mais le problème, elle m'appelle, la grandesse, pour me dire que ma commande est arrivée. Je dis, ouais, mais je sais que l'arrivée, la commande, mais le problème, moi, je suis né à 5h30, mais vous aussi, vous fermez à 5h30. Quoi, du coup, j'étais obligé d'aller la chercher samedi matin. Ah, ouais, les points P, ils ouvrent à 9h et ils ferment à 15h. Hein. Non, 17, moi, 17h30, quoi, ils ferment. Ouais, moi pareil, 17h30 il ferme. Mais c'est abusé quoi, puis il pourrait pas finir quoi, à 6h ou 7h. Le truc, oui, enfin surtout par chez moi quoi, t'es en région parisienne, tu fermes à 20h quoi. Et bah non, à 17h30 ils sont fermés, et encore ils ouvrent la plupart, ils ouvrent à 7h30, 8h. Ouais. Putain, et c'était des. Point P, c'est une entreprise de bricolage pour professionnels, sauf qu'ils ont des horaires de fonctionnaires. Ah, ça me fait halluciner, Pompé. Ils ont des horaires de fonctionnaires alors que c'est un truc de bricolage pour professionnels. On peut abuser. Bon. Répondre à l'appel de l'urgence. Le mien, c'est ça. Le Pompé qui est à côté de mon dépôt, il ouvre à 7h30 et il ferme à 17h30. Moi, je crois, moi, ils ouvrent à 9h et 17h30. Bien, c'est vrai, c'est 9h17h30. Bon, moi, à 7h30, à cette heure-ci, il faut que je suis sur la route pour aller sur le chantier. Hein, donc.
Le raté bien, c'est qu'il ouvre à 6h30. Si mon pompé il ouvrait à 6h30 encore, ça allait. Et là non, il ouvre à 7h30. Pas le temps. Hop, allez. Mais tu sais quoi, j'ai dû attendre une demi-heure pour avoir une palette de béton, quoi. Oh, c'est un petit entrepôt. Vas-y là, faut encore que je tire le tuyau. Ah, je me confie encore à la tâche ingrat. Je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin par ici. Dépêche, pourquoi? Bah oui, mais il n'y a pas de bouche d'incendie. Bah elle est devant. Non, il n'y en a pas. Bah elle est devant, elle est à nos pieds. Je la vois pas. Ouh, ça pète, ça pète. Allez, on pose ça. Extincteur. Si j'en vois une, mais elle est très loin. Hop, extincteur, allez. C'est bon, c'est raccordé. 15 km de tuyau, mais bon, au moins il y a de l'eau. Ouais, ça explose là-dedans. Bah oui, c'est pour ça quoi, Center. Attends, il y a des victimes. Attends, faut que j'aille chercher les gugus. Fais-moi pas péter la gueule, hein. Je vais chercher les gugus. Là, il y a un gugus, viens le chercher. Là, il y a un gugus, viens le chercher. Il y a tellement de feu. Là j'ai un gugus, je le sors moi-même. Ouais, moi aussi c'est pareil, j'en ai un. Ah oui, là il y a de l'hydrocarbure ici. Là. J'essaie d'éteindre pas mal d'extincteurs pour protéger. Et il sort. Moi je prends ta lance. Ils sont tous sortis les connards. Les victimes, je sais pas. J'ai coupé le courant. Ça va péter. Je commence à éteindre un peu. Et c'est extérieur, on s'en bat les couilles. Là, est-ce qu'il y a des victimes ici? Je m'en vois pas. Par contre, j'ai en train de me cramer la gueule sévère. Ici, est-ce qu'il y en a? Et là, là, non. Je crois avoir fait le tour. Ah oui, tout est... Oui, il n'y en a plus. Ouais, c'est bon, il n'y en a plus. Par ouais. Contre, il y a de l'hydrocarbure au fond, donc il va avoir encore besoin d'extincteurs. Dans les étagères. On va peut-être quoi éteindre. Éteins ta boîte de merde là. Putain, mais la boîte au milieu, on se casse les couilles cette fois. Là, je vais les inonder bien comme il faut. Ah, ça, elle se rallume. Si j'arrête. C'est qu'il y a de l'hydrocarbure dessus. Faut que tu mettes un coup d'extincteur. Non, c'est bon, elle est éteinte. Putain, mais arrêtez de redémarrer, bordel de palette de merde là. T'éteins la palette, t'as même pas le temps d'éteindre le feu d'à côté que ça rallume.
crame, ça... Parce qu'ils font chier les ouvriers des entrepôts là, tout mettre le feu partout. Hein. Oh, ça crame un endroit là. Un endroit où il faut un excenteur. Ça crame bien, ça crame bien. Quand tu veux, on peut attendre le feu. Ouais. C'est, j'aime bien, c'est un petit entrepôt quoi, mais tu... C'est un feu de bâtard, c'est comme si c'était un feu de forêt le truc. Je vais éteindre l'autre côté là. De mon côté, c'est pourquoi c'est hallucinant. Chercher un excenteur. Ce que j'hallucine, c'est qu'en face de moi j'ai une pile de palettes et la pile de palettes est constamment en train de reprendre feu. À peine je l'éteins, genre 10 secondes après elle reprend. Il n'y a pas d'hydrocarburant, c'est juste ça casse les couilles. Elle est où la sortie là? Pas sûr que dans la vraie vie un feu de palette ça reprend en 10 secondes. Parce que quand tu l'éteins avant que ça reprenne, il y a un petit peu de temps quand même. Hop, chercher un excenteur. Et je vous ai ce pas jeu, dit. En fait... Ce jeu, en fait, ça représente les pompiers, certes, mais c'est pas très réaliste. Hein. L'hydrocarbure, pourquoi pas, mais ouais, quoi, le palette, quand t'as éteint. Ouais, un feu de palette, je suis désolé, mais ça se rallume pas en 5 secondes. Surtout avec toute la flotte que j'ai balancée dessus. En train d'éteindre l'hydrocarbure. Moi je peux te dire dans mon dépôt hein, du bois de palette, des fois j'en crame. Quand je l'éteins, ça reprend pas feu. Hein. Vous savez, des fois on a nos malaxeurs pour virer le caoutchouc, bah faut qu'on les brûle les malaxeurs. Bah, des fois pour que ça prenne bien feu, bah, on rajoute un peu de bois de palette dedans. Ah, vous mettez le feu là-dedans? Oh, on fait cramer les malaxeurs pour virer le caoutchouc. Après, ils sont tout neufs. Tu les laisses cramer pendant une petite demi-heure et après, ils sont tout neufs. Et on fait ça une fois tous les 6 mois. D'accord. L'hydrocarbure est éteint. Putain, je sais même plus où est ma lance dans tout ce bordel.
T'en peux voir ta lance. Voilà. Il pique la lance du collègue. Ah, je sais plus où est-ce que j'ai mis ma lance. Bah, tu sais quoi, raboule ta lance. Va trop créer une lance. Mec, il a piqué la lance de son collègue. Rien à péter. Bah, elle était. Y'a pas le temps. C'est bon. Vite, 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 vite. Ah ouais, bah elle était là, ma lance. Vite. Trop tard. Et normalement, c'est bon. On va me voir derrière. Ouais, t'es moi derrière, regarde. Ouais. On voit derrière. Non, mais remets la vue de l'autre côté. C'est moi là, non. You. Regarde, on voit un peu mes jets. Non. Ouais. Bah non. 800 litres. C'était pas énorme. Et voilà, c'est la fin de ce live. Ah, bonne nuit, au revoir. À la prochaine. On va faire une petite mission comme une autre. Non. Si, si, si. Pour ouais, avoir des points bien. Pour la prochaine mission. Ouais, bah, t'as qu'à faire un feu de poubelle. C'est bien les feux de poubelle. On va faire un petit feu de poubelle. Pour la dernière mission. Poubelle express. Poubelle express. T'as eu la mission là. Voilà. Hop. Pour la dernière mission. Le foot peu de boile. Eh bien, on déplace deux camions pour un kiosque. On sort la grande échelle, on sort tout. Alors, carrément, Vas-y là, dépêche. C'est bon. Déploie la lance. Va déployer la lance à incendie. Allez, extincteur. Allez, go avant que notre collègue. Il déploie son truc. Allez, on éteint. Plus vite que ça. Pas le temps de niaiser. Et bon. Terminé. Super la mission, génial, bravo Nils. Le mec a pas eu le temps de déployer sa lance là. Allez, on fait des petits foufous avec les dessinateurs, on arrose la dame là. Zéro litre, ouais, génial. La partie qui attend de mission, 32 secondes. 32 secondes là-bas, ouais. Voilà. La fin de ce live. C'est bonne ça. Bonne nuit, à la prochaine. C'est ça, bon visionnage. Et à la prochaine. N'hésitez pas à mettre live, hein. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner, et abonnez-vous, à mettre un pouce bleu, et... Yeah. Au prochain live. Et à vous abonner aussi à la chaîne de Valang. Aussi. Aussi. Sur ce, bon visionnage.